Bonjour Nadine Gomez, c'est Jean Pichette. Nous sommes jeudi, 14h38. Je vais te faire entendre quelque chose. Un peu. Voilà. Un petit texte de Montserrat Figueras. Je vais juste lire le début. Depuis la nuit des temps, la berceuse représente l'une des formes musicales les plus essentielles, présente sans exception dans toutes les communautés humaines. L'enfant reconnaît dans le chant la voix de sa mère, sa présence, son geste, et dans l'intimité de ce moment se crée un espace de profonds symboles ancestraux où la musique et la parole sont un lieu de pure émotion et d'authenticité. C'est ainsi que s'établit le premier dialogue, le premier enseignement d'une tradition, d'une culture et d'un art de vie qui deviendront avec le temps une contribution essentielle à une mémoire collective. Il y a plus d'horizons tracés dans une berceuse que dans la science. Et la première chose qu'on apprend avec ça, même pas que c'est une connaissance, je dirais, sensible. C'est la première chose, c'est apprendre que la raison, c'est rien. Fondamentalement, la vie, elle ne loge pas là. Les chiffres, on peut leur faire dire n'importe quoi, mais ils ne peuvent pas aplatir la courbe de nos angoisses ni de nos désirs. Le discours des experts, il peut nous aider à éclairer les conséquences d'emprunter telle ou telle voie, mais d'aucune façon ne doit suppléer à notre responsabilité qui est collectivement de dire, écoute, parce que, ultimement, c'est ça la question, c'est dans quel monde on veut vivre? C'est pas une question qui doit se poser aux élections ou dans des meetings politiques ou je sais pas quoi. C'est une question qui doit animer nos vies. Qui nous arrive, ça nous fait voir à la fois le pire, certes, mais aussi le meilleur. Oui, le meilleur. On en voit du meilleur. C'est ce qui nous permet en même temps, malgré tout, de se dire, mais putain de bordel de merde, peut-être qu'on va, on va sortir de ça. On va s'être approché, en tout cas, de la conscience de la nécessité que là, wake up, il faut réfléchir, puis réfléchir avec nos sens d'abord. Je suis profondément convaincu que si on ne ramène pas à l'avant-scène la question de la poésie du monde, la beauté du monde, c'est foutu. Have one new message. Allô Nadine, c'est Jean. On est mercredi. Il n'y a pas de visible s'il n'y a pas d'invisible. La parole, évidemment, c'est invisible.
La culture, on peut aussi dire que c'est invisible. Puis je dirais que c'est la reconnaissance de cette invisibilité qui en fait toute la force et toute la richesse. On arrive dans un monde qui nous précède, qui va nous survivre. Puis s'il ne nous survit pas, la Terre va plus disparaître, là. Pas la Terre qu'il faut sauver. Pas la Terre qu'il faut sauver. La Terre, elle va sauver. Puis on sait que dans 4 milliards d'années, en gros, elle va disparaître. Bon. C'est les rapports vivants sur la Terre qu'il faut sauver. Il s'agit tout bonnement de reconnaître que on n'est pas autofondé et tout puissant. On est lié à autrui. C'est soi qui se construit, qui se constitue, qui se déploie, qui vit et qui meurt dans le rapport à autrui. Le simple fait de reconnaître ça, ça donne un peu d'humilité. Ça devrait en tout cas nous donner de l'humilité et dire, ben, on va s'en tirer ensemble. Parce que ça veut dire quoi ça, cette reconnaissance? C'est la reconnaissance des limites. Reconnaître qu'on appartient à quelque chose, on s'inscrit plutôt dans quelque chose qui nous déborde, qui nous limite, mais qui donne en même temps la richesse à nos vies. Et là, j'ai pas perdu tout sens critique, là, parce que là, reconnaître ce qui nous dépasse, c'est aussi reconnaître que ce qui nous dépasse, il est de notre responsabilité à tous d'en baliser le cadre. Tu comprends? Moi, je ne suis pas prêt à abandonner ça à n'importe qui. Ça s'appelle la démocratie, ça. Mais la démocratie, c'est pas reconnaître l'autonomie de chacun pour choisir sa propre fin d'une façon absolue. C'est collectivement baliser l'horizon de nos existences. Comment, dans le contexte actuel, on peut dealer avec tout ça? Et de quoi on parle quand on parle de la fin du temps, la fin du monde? Il me semble que la question que ça soulève fondamentalement, c'est quelle fin, au pluriel, on veut partager ensemble? Parce qu'on n'y échappera pas à la mort. Quel genre de monde on veut ériger en pensant que ce monde serait accueillant pour chacun d'entre nous et nous donnerait simplement envie de vivre, de se lever tous les matins? C'est les seules fins qu'on peut penser. Penser à la fin du monde, c'est une abstraction. On ne peut pas se représenter ça. C'est-à-dire, on peut se représenter ça, mais c'est insensé. Alors que penser les fins communes, partagées, ça ne veut pas dire qu'ultimement, on est toujours seul, évidemment, face à la mort. C'est bien ça. Encore qu'on est seul, mais il y a ceux qui nous survivent et qui essaient de donner du sens à ça. Ils prennent le bâton, hein, le relais que leurs prédécesseurs leur ont transmis. Vivre, ça aide dans la transmission. On est des héritiers et on est en même temps des légateurs. Puis c'est ça la vie. Qu'est-ce que tu dirais si on s'arrêtait là?